Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans l'épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, comme prévu, on va parler à Sail. Normalement on a ce qu'il faut, on en a 4. Hop, donc le size 2, on l'a fait avec donc une amélioration de notre zone de minage. Normalement il n'y a plus rien, vous voyez. Hop, parfait. Et donc vous voyez maintenant on est en fait à la hauteur du personnage pour miner, ce qui rend en fait le minage en face de nous extrêmement plus rapide. Donc voilà l'intérêt premier. On a 4 quêtes à rendre, 1, 2, 3, 4. Et on a donc dans nos poches 4 objets, 1, 2, 3 et 4 à donner. On y va. Direction l'autre poste. Hop, yo. Merci. Yo, merci. Putain de Floran, merci. Voilà. Et donc on se retrouve avec une quantité certaine d'objets. 32. Celle-ci fait 28. Et vous allez voir que celle-ci a un pouvoir assez particulier. Là on a 19, mais c'est une hache. Le voici. Oh, je savais pas qu'il l'envoyait. Intéressant. D'accord, donc ça, elle reste au sol cependant. Donc lui nous propose quand même de lui ramener 16 diamants. Pardon, accepté. Voici mes diamants. Classe 4, je te remercie. On vérifie quand même si quelqu'un d'autre veut nous donner des quêtes. Mais normalement, c'est une fois qu'on aura amélioré le vaisseau. Cependant, je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'améliorer. On se téléporte. Alors. On en a 5, je crois qu'il nous en faut 6. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Alors. 8. Bon. On n'a pas ce qu'il faut, je me rappelle plus du tout comment il faut faire pour les farmer. Si, 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 il faut aller chercher des commandes et... Bah tiens, voyez, upgrade module, il faut aller chercher des core fragments. Par contre, ça nous coûtera beaucoup de diamants aussi. Hein. Il en faut 30. Donc techniquement, ce qu'il nous faudrait, c'est en prendre 600. 600 trucs pour pouvoir y arriver. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va faire. En plus, on va se déplacer, ça va être rapide, vous allez voir. On va se déplacer sur un système de type gentle. Hop. Voilà. On va quand même faire le plein avant. Voilà. C'est parti. Et on va aller donc miner ça sur le système de type gentle. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Vu que bah on a déjà un super amateur manipulateur. Et surtout, les ennemis seront d'un très faible niveau. Voilà. Hop. Alors je rappelle quand même qu'on n'a toujours pas trouvé de plan pour les armes améliorées entre guillemets, ce qui est vraiment dommage je trouve. Mais bon, ça ne saurait tarder, hein, ne vous inquiétez pas de ce côté là on devrait pouvoir s'en sortir. Cependant, ce qui m'intrigue le plus, c'est surtout le manque de quêtes. Bon, enfin bon. Alors, on pourra ensuite passer aux colonies aussi, il faudra qu'on y pense à ça. Parce que les différents colons plutôt, seront à même de nous donner quelques quêtes générées procéduralement, c'est-à-dire de manière automatique par le jeu. Hop, beam down, on y va. Un biome de type forest. Bah dis donc, on arrive à plutôt à côté en plus de plein de choses. Alors ce qui me dérange un petit peu, ok, problème résolu, on continue à descendre. Hop.
Donc je vous rappelle que pour les retrouver, ces corps fragments, il faut aller au cœur de la planète. Hop. Chose que nous allons nous empresser de faire. Hop. Voilà. Et B. J'aurais peut-être dû prendre une petite planète au final. Un biome hive, seriously? Intéressant. Je vais faire comme si je n'avais pas vu le moindre florane. Ah, encore un. Allez, casse les blocs, c'est bien. Alors. Ok. Ok. On a quand même pris cher, on va peut-être se soigner un petit coup. Hop. Alors. Continuons, continuons, continuons. Ok. Et B. Hop. On aura traversé une bonne quantité de biomes différents, c'est assez intéressant. Alors, on continue notre descente, hein. Hop. Je jette un œil quand même sur ma santé de temps en temps parce que bon. Eh ben, je m'attendais pas à être aussi. À mettre autant de temps en fait à descendre simplement. Ça n'arrête plus. Pourquoi le niveau d'eau descend sans cesse? Ah, c'est le gravier qui fait ça. D'accord. Donc voilà donc l'effet du gravier sur l'eau. Il détruit les blocs d'eau à chaque fois qu'il se pose en fait. Et comme à chaque fois qu'il se pose, il se remet à glisser potentiellement. D'accord, je comprends mieux maintenant le principe de ce que vous m'avez expliqué au niveau des trucs de lave. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup que je prenne du gravier. Par contre, il faut absolument que je garde les mirror blocs. Alors là, c'était une stupide de... De pas vouloir le garder. Allez, on descend. What the fuck? Ok, si tu veux. Ok, ah, on y est, ça y est. En plus, on a une très très bonne quantité dès le départ. Voilà la grande nouvelle. Alors. Cependant, je commence à me demander si ça va vraiment ou non être rentable. Pour être tout à fait honnête. Alors, essayons de passer par là.
Voilà. Ok. Oh putain. Aïe. Oh, il y en a une belle quantité là aussi. Par contre, il y a aussi un petit peu de... de saloperie. Alors, on va voir si ça marche. Eh, hey, ça marche. Merci les gens d'avoir donné cette astuce, c'est vraiment sympa. Cool. Bon, il faut une grosse quantité de... Oh, par contre la lave, tu vas falloir, falloir que tu la récupères mon pote hein. Voilà. Ça tu peux le virer. Tu peux le virer. Ok. Hop. Ah, je m'en doutais que j'aurais dû taper dedans. Faut que je me soigne. Heureusement que je regarde de temps en temps. Hop. On continue. Hop. Alors je vais mettre à la place des torches, vu que les torches je les garde toujours sur moi et que je les utilise pas. Hop. Donc là on a de quoi faire deux trucs. D'ailleurs, je pense qu'on peut les faire au fur et à mesure. Hop. Hop. On va essayer de s'attarder que sur les gros... les grosses quantités. Les diamants vont tomber en chute libre, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer peut-être de mettre un petit peu d'eau aussi quelque part. À la place du fameux PQ. Voilà. Pour pouvoir les trouver plus facilement, on va dézoomer. Là, on voit que la zone n'est pas du tout fournie. Ok. Ok, là j'en vois un petit peu là-bas. Ok, on y va, on descend le récupérer. Hop, on évite de crever, ce serait pas mal. Alors, gros freeze de mon jeu, c'est cool. Je tiens à préciser que je fais tourner des jeux en 4K quand même hein. Et que malgré tout j'arrive à avoir des frises sur, sur Starbound. C'est d'une violence. Alors nous sommes à 54. Nous pouvons donc techniquement en crafter un deuxième dans quelques... Hop. Aïe, je vous avais pas vu effectivement. Bon, c'est pas grave, ceux-là, il n'y a rien de toute façon par là. Aïe. Oh putain.
T'es sérieux là? Oh, mais merde! Voilà. Alors. Parfait. On a failli se recasser la goule, mais c'est pas grave. Bon, on va pas réussir à choper la dernière de manière. Hop. C'est génial. Merci. Alors, 66. Je sais plus du tout combien il m'en faut au dernier moment. Je pense que j'irai voir. Quoi, je vais aller voir en même temps que je creuse. Hop. Hop, voilà. Ok. Oh, c'est mieux si j'ai le passage pour monter. Un instant, je fais une petite ellipse. Heureux, chers amis. Alors bon, maintenant j'ai des chiffres et c'est pas très joyeux. On verra bien. Il faudra peut-être qu'on refarme du diamant derrière. Allez. Merci. Nom de Dieu. Saloperie. Ok. Ok. En douceur, ça sert à rien de forcer les choses. Ok, hop. Merci. Voilà. Aïe. Putain. Hop. Non! Ah, une challenge room. Oula. Avant de faire complètement le con. Voilà. Oh. Saoulant! Pas prévu que je descende par là et que c'était pas prévu que la chute soit aussi douloureuse. Hop. Et il y a du diamant à foison, ce qui pourrait être intéressant pour nous. Hop. Et il y a une grosse quantité aussi à droite. Ça c'est génial. C'est pas le diamant que je creusais, c'est ça? Si, c'est le diamant ou pas que je creusais? C'est le diamant que je creusais. Bon, bah c'était bon alors. Pourquoi vous vouliez pas me le donner? Alors. Ici, on en a quelques-uns aussi. Parfait. Donc.
à 7. 8, 9. Faut qu'on atteigne, chers amis, les 18. Hop. C'est là que ça se complique, comme dirait l'autre. Ah, c'est à cause de ce truc-là, d'accord. Et de celui-là, pardon. Hop. Bah, si je peux récupérer l'eau que j'ai mis qui est en surplus, ça me dérange pas. Hein. Ok. Hop. Voilà. Là, voilà, j'aurais fait descendre d'un pixel normalement. Hop. Voilà, parfait. Et donc on atteint le cœur de la planète, littéralement. Qui est un peu plus bas. Voilà. Bon. Nous sommes donc à 11. Il en faudra encore 7 techniquement. Le problème c'est qu'ils ont l'air d'être très compliqués à trouver ces 7 là. Voilà, je vois des blocs un peu plus faciles à... Ouais, mais il y a du caca au-dessus. Ok. Ça se passe pas trop mal. Je sécurise l'endroit. Il y a des scavengers ici. Seriously, à cette profondeur? Here we go. Vas-y, ramène tes fesses. Ça fait mal, hein? Ok. Alors. Hop. Oh, 3 PQ quoi. Oh, ce radisme. Enfin, ouais, radinisme, je sais pas comment on peut dire. Hop. Bref, c'était radin. Voilà. Alors. Bientôt à 12. On en chie quand même, hein. Oh non, de Dieu. Hop. C'est pas l'épisode le plus exaltant du monde, hein. Alors, vraiment, c'est un passage obligé, chers amis, hein. C'est comme le minage en Minecraft. Alors. Hop. Ok. Ok, on va peut-être se soigner un petit coup aussi. Là, on va peut-être récupérer la lave qui descend. Ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. On va les récupérer ensuite ici. Non! Putain. Je vais me soigner, c'est pas grave. 12. C'est bien ça. Là, je vois 3 diamants, c'est parfait. Exactement ce qui m'intéresse. Allez, merci. C'est pas grave, je me re-soigne. On va la jouer safe, mais on va y arriver. Hop.
Vaut mieux la jouer safe et y arriver que la jouer dangereux et pas se planter à la toute fin, quoi. Tu me diras, on n'a pas des masses de pixels non plus, donc bon, on peut éviter de les gaspiller connement. Alors. Bah non, tombez pas. Si je vous récupère, c'est pas pour que vous tombiez. Hop. Parfait. Au passage. Hop. Alors. Là aussi on est bon. Et là aussi. Il n'en reste plus qu'un, mais du coup il est surtout une perte de temps à aller chercher. La porte, on va pas la faire. Pour la simple et bonne raison qu'on a autre chose à faire. Et qu'il le faudrait que nous arrivions à passer sans perdre trop de temps. Exactement ce que je voulais éviter, chers amis, je l'avoue. On va avancer 4 par 4 en fait au final. Voilà. Allez. Il manque encore de puissance le matière manipulateur. Hein. Et je crois que c'est fait exprès pour justement éviter qu'on farme en fait ce qu'on est en train de faire là en fait. Et bon. Tant pis le jeu. Va te faire foutre. Très bon moyen de se faire des trucs. Ah, il y a des... Hop. Alors, effectivement, là, il y en a quelques-uns. Hop. Voilà. On va aller les récupérer quand même. Il y a un coffre à droite. Je l'avais pas vu, regardez. Quand même bien intéressant, je l'avoue. Ok. Oh. Et là, il y a une grosse quantité de minerais avec du décor fragments. Donc ça m'intéresse forcément. Ouh, mais on a à ras-bord. Littéralement. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Rien. On a bien fait de vérifier. Donc. On va rajouter une petite couche d'obsidienne, hein, c'est pas grave. Ok. On devrait être bon. Voilà, pouce je passe, pas ma faute. Ok. Cependant, je suis assez déçu de voir où est-ce que on va trouver le reste. Il n'y a pas grand-chose par là. Nous sommes à 43, ce qui nous en fait 14 si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Il nous en faudra donc encore 4 de plus, ce qui commence à faire beaucoup. Oh genre, il y a des flaques comme ça, plus grandes, qui me font pas de dégâts, et celle-là, elle me nique mes PV. Hop. Ah, j'ai pas vu les diamants, je vais les récupérer. Hop. Voilà.
aussi, on a un petit paquet. On récupère. Alors. À part là, mais qui est vraiment bien centré, donc ça va être chiant à rejoindre, donc c'est pas la peine. Pas grand chose, hein. Pas grand chose. Ok, on remonte. Là, il y a un petit paquet sympathique. Hop. Ok. Si on pouvait passer, ce serait cool. Merci. D'ailleurs, peut-être qu'en faisant baisser le niveau de lave, je pourrais peut-être m'en sortir. Hop. Est-ce que je peux peut-être aller les choper en faisant baisser? Comme j'ai fait baisser le niveau de lave, j'ai moins de risques. Est-ce que ça vaut le coup d'aller les chercher? C'est ça qui est la question en fait. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les trucs ou pas? C'est quand même vachement risqué, vachement stressant comme endroit avec toute cette lave. Hein. On croirait pas, mais... On n'est pas sûr de remonter sans mourir en fait, c'est ça le truc. Surtout avec moi quoi. Hop. Voilà. Parfait. Un petit peu de diamant tout au bord là. Soirée dans Minecraft presque. Allez, hop. Oh, il en restait un là. Ok. Ok. 45, ce qui nous en fait 15. Petit à petit, on y arrive. Hein. C'est vraiment petit à petit pour le coup. Hop. Ok. Aïe. Attention à pas tomber dans la lave, ce serait débile. Saloperie. Hop, c'est bon, parfait, on les a rejoints. Ah, il reste un cube, regardez. Il y a un petit misérable cube ici. Ok, on y va. Parfait. Là, c'est de la progression. Enfin, dans la roche, je veux dire. Au niveau du nombre, malheureusement, on n'a pas eu grand-chose. Hop. Voilà. Allez, on y est presque. On y est presque. Il y avait un diamant là. Ouais, on va le prendre. Est-ce que c'est un diamant solitaire? C'est un diamant solitaire. C'est pas grave, on le prend quand même. Nom de Dieu. Je l'ai pas vu venir ce coup-là.
Ok. Donc, ça nous en fait 15. Ou 16, 16, 16, 16, 16. Ok. Aïe. Pas de mort stupide, Marcus. Pas de mort stupide. Allez, tu peux le faire. Là, il y a des putains de mecs, là. J'ai pas envie d'aller chercher ceux-là. Je les sens pas, je sais pas pourquoi. Aïe, et puis on est vraiment bas en plus, hein. Merde. Ok, je vais essayer de chercher ceux-là, c'est pas grave, on va y aller petit à petit. On avait dit la sûreté d'abord. La sûreté d'abord. Ok. On va repartir dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. Y'a un truc, y'a pas de sol là. Putain, ça se voit pas. Hein. Oh non, je vais mettre de la neige, comme ça je verrai bien le sol. Ah bah non. Eh bah je vais mettre de la glace, comme ça je verrai bien le sol. Ok. Ok. On peut reprendre. Alors là, il y a un coffre avec du caca dedans. Un coffre qu'on peut casser techniquement alors. Il y a un deuxième coffre. Mais lâche-moi cette putain de... Ok. On est bon. J'aimerais trouver un vrai filon. Hop, c'est clic droit. J'en vois un petit peu au-dessus. Peut-être le récupérer aussi. En plus, il devrait être assez rapide à récupérer. Sauf que j'ai pas les blocs qu'il faut sous moi. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok, on a 27. Pourquoi pas. Tout est encore faisable, chers amis. On peut encore y arriver. Hop, allez monte. Et monte, espèce d'abruti. Ça y est. Par contre, monte pas trop haut dans la lave, hein. T'as de la lave juste au-dessus de la gueule. D'ailleurs, je pense que tu dois commencer à avoir les cheveux qui roussissent. Hop. Alors. Ok. Tu y es presque. Continue. Hop, sécurise la zone avant d'arriver. Voilà. Ok, vendu. Ok. Hop. On progresse. Là, il y en a un petit peu. Tu récupères, Marcus, tu récupères, on y est presque. On y est presque, chers amis. Hop. Plus qu'un. Il me semble qu'on en a plus qu'un. Oui, plus qu'un. Non, bah non, j'ai pas vu, je me trompe du truc. Oui, plus qu'un. Hop, là, il y en a un petit peu. Allez, tu peux le faire. L'automotivation, chers amis, y'a que ça de vrai. T'auras un cookie à la fin. Oui, un cookie. Hop.
Saloperie. Hop, je suis déjà passé par là. Ah non. La recherche va être inefficace, espace un instant. Aïe. Tant pis, on va prendre les petits trucs que j'ai pas osé prendre. Gah. Le jeu qui se fout de moi. Hop, aïe. Là, je vais monter par là. Aïe. Mais tout à l'heure j'avais les deux pieds dedans et ça m'a rien fait. Là je mets un pied dedans, je manque de crever. Hop, voilà. Ok, je passe. Je passe. Je passe. Là. Là, ceux-là, ils sont faciles à chauffer parce qu'ils sont dans de la pierre normale. Encore faut-il que j'atteigne la pierre normale. Ok. On va y arriver, n'inquiétez pas. On y est presque. On est presque au bout de nos peines, comme dirait l'autre. J'allais me demander, je suis pas genre passé juste à côté, mais si. Ok. 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 Dégage. Hop. Ok. Ok, là il y en avait que j'avais pas vu en plus. Pourtant il est facile à casser celui-là. Hop. Là aussi d'ailleurs. Nous sommes à 27, chers amis, on y est presque. On a réussi! Oh putain! Hop! On remonte sur le vaisseau. Wouah! Oh, je peux m'étirer enfin! Je suis moins crispé! Oh la gueule! Hop, zoom! Crac! Hop, tu permets? Merci! Donc là, on a gagné. Hop! Un étage inférieur. Comme prévu. Vais-je avoir de quoi récupérer tout ça? Oui. Par contre, il me faut placer ce truc-là. Il n'est pas placé là. Faut le mettre comme il faut, Marcus. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on va retourner à l'outpost. On va aller voir déjà les... Ah bah non, on va aller voir les textes déjà qui ont été disponibles. J'ai mis my text. Particule boost, d'accord. Donc tous les boosts, en fait, sont arrivés. C'est chose que je n'utilise jamais, en fait. Morph Ball et Skyrail. Donc on aura toujours pas le... Bon, c'est pas grave. Le Targeted Blink. On redescend. Alors, il m'en propose une autre. J'ai les diamants requis pour la faire. Il faut lui ramener 32 diamants, je les ai. Voilà. Donc j'ai la classe 5 et j'ai de quoi faire en fait, normalement. Le prochain... Hop, je vérifie juste. Apparemment, il n'y a pas d'autre quête. Le prochain vaisseau. Hop, beam to ship. Et on enchaîne les deux parce que voilà, on est des fifous. Hop. Let's talk. Condor class. Et nous y voilà. Et donc on peut enfin... Ça y est, on l'a. On l'a. Oh putain. Targeted blink. Enfin. Particule boost, c'est quoi la différence?
150. D'accord, faudra qu'on voit la différence. Ah, on a ça aussi. C'est vrai, j'avais zappé. Alors, par contre, on va, hop, éviter de casser toutes les lampes du vaisseau, ce serait cool. Hop. Alors, pour la petite information, certains amis, certains d'entre vous, pardon, ne savent pas comment on fait l'unique, vous savez, comment on réduit la taille en fait du rayon du matériel manipulateur. En fait, simplement en donnant shift. Hein. Et vous allez voir que dans le fond, ça n'a pas été aussi inutile que prévu, vu qu'on gagne en fait une espèce presque de doublon, ce qu'on avait déjà en profondeur en fait. Hop. Et il va y avoir plein de choses à faire dans ce vaisseau, je viens d'y penser d'ailleurs. Oh, et oh, tu me permets que je puisse monter dans mon vaisseau, s'il te plaît, merci. Hop. Voilà. Voilà. Bon, bah, on a fini le vaisseau. Donc, moi, je pense que je vais commencer déjà à bosser dessus en admin un peu plus tard. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire, Jean-Chi. Dans le descriptif de l'épisode, vous pouvez aussi retrouver l'adresse IP et le port du serveur Starbound que vous pouvez aussi retrouver donc à l'accueil du groupe Steam. Voilà. Encore une fois, merci à vous de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, faisons simple. A plus pour votre aventure dans Starbound. Salut les gens.